Bon, je sais pas si ça marche. Ouais, ça y est, ça doit marcher. Bon, bienvenue sur Thé Éternel. Maintenant, on est le 24 au matin, il est 1h16. D'accord. Le 23 février, c'est l'anniversaire des 55 ans de Florence Marie, la première bonne femme que j'ai commandée au bon Dieu. Tu dis, envoie-moi le meilleur de tes anges. Mais il est venu, mais moi, j'avais pas compris. Putain, j'étais un petit con. Non, c'est bon, je vais arriver à. Je vais faire 7 fois 7, je vais faire 49. Tu vois? Bon, je suis tranquille. Et ben, du coup, comme on a 6 ans d'écart, et ben, Florence, elle a fait 55. Mais c'est ma première Florence Marie. C'était pas tombé sur un connard. Il fallait qu'il l'étrangle, il fallait que je sais pas quoi. Oh. Je peux pas tout dire, bon si je vais le dire, bon, le mec il violait les femmes au couteau avec le gosse dans la poussette sur les parkings. Comme ça. Et moi j'étais un petit con. Moi j'étais un petit con. Elle a fait 55 baluches. Tu vois le truc? L'ordi peut pas connecter, le machin peut pas connecter, c'est normal. Malgré tout, je suis. Termine à raison qu'il n'a pas tort. Voilà, tu peux le prendre dans tous les sens que tu veux. J'ai trouvé la croix en horizontale, la croix en verticale, la croix. Hop. Je peux tout vous expliquer. Alors, qui c'est qui n'est pas content? Je peux tout vous expliquer. Faut se poser les bonnes questions. Tu comprends? Tu vois, c'est pas les questions RTL, BHL TV, le journal de 20h. La pollution électromagnétique, c'est absolument de la merde. C'est des gens qui ont vendu leur âme. Ouais, tu veux, ouais. Tu peux le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je t'emmerde. J'ai pas besoin d'être riche, j'ai pas besoin d'être super pauvre. Moi, je vais un petit peu pour tout le monde et je t'emmerde. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, le TPU, Trésor Public Universel. Alors, le vrai songe d'hier, c'était à la fin, tu pendais les milliardaires par les pieds, tu leur mettais comme un coussin. Jusqu'à ce qu'ils signent, oui, je fais mes dons au Trésor Public Universel, oui. Sinon, tu ne détaches pas. Hein. Comme Saint-Pierre, il est pendu par les pieds. C'est franc-maçonnique, sa mère. Hein. Ah bon? Non, moi, je mets un coussin, je mets un truc, je mets un peignoir, mais maintenant, tu vas rendre tout ce que tu as pris à tout le monde, comme ça. Sur cette planète Terre, rien n'est à personne. Et vous allez arrêter de tout vendre parce que ça commence à me gonfler, là, comme ça. Et les industriels et les trucs, bon, d'accord. Les rivières sont moins polluées, maintenant, ils contrôlent les produits chimiques dans les rivières, hein, bon, d'accord. Il y avait des poissons, des canards, des machins. Bon, ça va. Irradié. Bon, le problème, c'est que le bordel, il ne veut pas connecter. Bon. Moi, je vais faire du termine à raison, qu'il n'a pas tort. En plus, il y a les anges bleus, les anges verts, les machins, les acturiens, les trucs. Il y en a plein. Thessaloniciens, faut comprendre. Et moi, j'étais pas méchant. Et je te le dis quand même. Bon, combien ils sont les mecs là? Tu vois, l'ordi, il veut pas connecter. Rien à faire. Et moi, je faisais, termine à raison, qu'il a pas de temps. Sarah Connor. Poum. Ah merde, c'est pas la bonne chambre. Merde, le mal il fait comme il peut. Il m'est arrivé le mec avec la valise et avec les gros billets. Il voulait acheter mon âme. Il voulait acheter mon âme. Je le sais. J'étais là. Comme ça. Il était pas tranquille le mec. Il tournait dans tous les sens. Ça. Mais il savait pas qu'il fallait me le dire à moi. Et puis moi je voulais pas qu'il sache. Et puis je voulais pas vendre mon âme.
Tu comprends? Je crois pas que tu comprends. Bon, tu comprends un petit peu. Moi, j'étais pas à vendre. Mon âme n'était pas à vendre. Je suis incarné dans le bordule, Christophe Lanthenoy, alias Christ de Nice éternel, mais c'est pas pour faire de la merde. Ouais, c'est quand tu chies. Tiens, j'ai fait un beau film là-dedans. Tu rends ton rapport de combustion, mais t'emmerdes tout le monde en fait. Ces gens que t'emmerdes pas, c'est t'as un Saint-Michel, hop. Et t'as une Sainte Florence Marie, la première que t'as commandée au bon Dieu. Non mais attends. Qu'est-ce que tu me bouleboules? Qu'est-ce que tu me la racontes là? Après, tous les autres, ils sont sous cacheton, avec de l'alcool et des pétards, donc ils peuvent pas comprendre. C'est fini. Tu sais, il n'y a plus rien dans le machin. Je sais pas, faut arrêter un des trois trucs. Trilogie de quintessence. Attends que je fasse le film demain. Là, tu vas vraiment comprendre l'espace-temps. Pour l'instant, je sais même pas si je vais arriver à mettre le même. Je suis là ce soir. Tu sais pourquoi? Ça veut pas connecter. C'est une connexion un peu pirate, on va dire. Bon. C'est vrai. Ça fait quand même 2 ans que je suis connecté gratuit par une clé web qui vient de la Sophie. Parce qu'en fait, j'étais amoureux de la Sophie, mais tu ne peux pas. C'est pas que c'est une reptilienne, je peux pas le dire comme ça. Mais tu ne peux pas arriver dans le lit d'une femme si elle a un bonhomme avant toi ou s'il y en a deux. C'est pas possible. Une femme, c'est fait pour aimer pour toute la vie. Je ne pratique pas la fornication. Ouais, viens, les déboîter, c'est bon, on l'encule à deux. Non. Non. Je suis parti outré. Et le lendemain, bientôt, elle portait plainte parce que j'ai fait saigner du cul. Moi, je me suis tiré bien avant. Tu sais. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Comme ça. Mais après, c'était un Golgoth. Bon, l'histoire du clébard, l'histoire de tout ça. Si, c'est vrai, il y a un an ou deux, j'ai fait. C'est pas des mauvaises actions, mais. Oh, je saurais pas comment dire ça. Je sais ce que j'ai fait. Tu vois? Moi, je vais péter un câble. Pourquoi? J'ai mis un shoot au clébard, je regrette. En plus, avec les chaussures de sécurité, vraiment, je regrette. Mais ça va, le clébard, impeccable. Quand il est jeune. C'est parce que j'avais sorti 3 fois, il avait pissé 3 fois, il avait chié 3 fois. C'était bon. Tu vois, ça allait. Bon, je sais pas si c'est pour tester les limites ou je sais pas. Et d'un coup, au moment que Tata m'emmerde, putain, le chien pisse sur le tapis. Bon, maintenant, il n'y a plus de tapis. Et là, j'ai mis un shoot, j'aurais pas aimé me le prendre. Et même le pâtissier d'à côté et tout, il m'a dit, t'as vu le shoot que t'as mis où? Ils ont pas entendu. Enfin, ils ont pas vu. Mais ils ont entendu le chien gueuler. Ouais, j'ai entendu. Comme ça. J'ai dit, écoute, désolé, j'ai mis un shoot au clébard. Je suis sûr que le mois d'après, il était complètement propre. Tu vois. Mais par contre, il a eu du mal à son épaule. Mais les connards de base, je les emmerde. Bon, c'est pas tous les alcooliques sous cacheton, il y en a. Faut pas le dire comme ça. Moi, je dis que le gouverne vrai appartient aux clochards, aux alcooliques, aux drogués qui ont encore un peu de subconscience. Parce que c'est les seuls. Les autres, c'est des numériques, c'est des protocoles. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde sur Terre. Eux, ils n'ont pas d'ange gardien. Ils doivent en avoir. L'autre a expliqué la résonance des basses. Bon, dans les basses. C'est pas des reptiliens, elle dit pas comme ça la bonne femme. Mais c'est compliqué, c'est con et c'est compliqué. Elle dit pas comme ça. Bon. Toi, t'es là au milieu et tu dis, mais non, c'est pas du tout, pas du tout. Le contraire de l'inverse, du paradoxe de l'oxymore. Bon.
Alors, le paradoxe du protocole, de l'oxymore, du contraire, de l'inverse. Bon. Compliqué aussi. Moi, ce que je vois, c'est que. Bon. Je fais mon concert du larynx. Si j'ai pas mon mai 2018, 50 ans après, planétaire, parce que maintenant il faut des lois planétaires. La ZAD à défendre, c'est comme il écrit Nico, tu sais. C'est toute la planète en fait. Si vous faites que de la merde, si vous êtes venu faire que de la merde pour de l'argent, je sais pas, barrez-vous. De toute façon, il va y avoir un truc. Soit ça va être l'inversion de polarité. Ouais, tu peux le dire comme ça. Soit ça va être des nuages, des volcans. Ça m'a déjà fait. Je suis rentré la veille, heureusement. Soit que ça va vraiment partir en couille, mais grave. Faites exprès d'être ignorant. En fait, c'est comme des bits du système. Bit, bon, tu mets BEAT. Bit système, des gros glands qui servent à rien, des grosses chattes qui servent à rien, et après il leur faut de MDPA, non, assistante, PMA, procréation artificielle, enfin je sais pas trop, je m'en rappelle plus. Mais le film il est bien, la séquence 6. En fait, il y a le rabbin, il y a l'imam, il y a le prêtre catholique qui parle. Bon, comment que je te le dis? Et c'est là qu'au bout de 24 heures, non, tu as tombé à marronner dans le système, là, la choucoute, là, le truc, là. Je dis, mais les monothéistes, ils ont rien compris. C'est pas du tout comme ça. Dieu, ça veut dire directeur d'induction d'énergie universelle. Alors tu le vois yoga, tu le vois la gym, tu le vois. Mais la plupart, je sais pas, 99,9%, ils comprennent rien à ce que tu leur dis. C'est normal. Ils n'ont pas été préparés. Du moins, ils n'ont pas voulu l'être. Leur petit chiotte, leur télé, individualisme, c'est de la merde. C'est clairement de la merde. Si t'es vivant, pose-toi la question de qui fait battre ton cœur, tu vois? Je sais pas. Et là, ça veut pas connecter, ça m'emmerde. Ça me casse carrément les couilles. J'ai que deux films à mettre là, et le troisième avec celui que je fais maintenant. Bon, écoute. Envoyé spatial pour t'éternel, je te fais du Termine à raison qu'il a pas tort, c'est comme un Total Recall sur Matrix 17 sur la Mouche 3, c'est comme l'armée des douze singes sur, comment il s'appelle, Blade Runner, tu vois. Et après, l'invasion de Los Angeles. Mais où ai-je donc mis mes lunettes anti-connards? Maintenant, moi, je les vois, les connards, du premier coup, tu vois. Une subconscience du système. Après, si vous comprenez rien, c'est pas ma faute. Toi. Moi, j'étais résistant, j'étais pas collabo. Point. Les États corrompus, là, ils viennent venir tout ce qu'ils veulent. Je suis à mort 14 fois, je suis du 4-1. Trilogie de quintessence, du grand-père, gardien de justice du palais de Meaux. Je suis dans. Le 28 juin 1969, c'est pour ça que je bois la 8-6, c'est pour ça qu'un Mimi est 86, j'y croyais vraiment. Bon, vous n'allez rien comprendre, c'est normal, c'est comme d'hab. Mais quand même, un mêle-doigt de 69. J'avais du yin et du yang, et en fait, tous les papiers, ils sont faux, même l'acte de naissance. Ma mère m'a dit, t'es sorti comme une lettre à la poste. La sage-femme n'était même pas arrivée, ça y est. Et du coup, j'étais né rue Saint-Fiacre, mais c'est pas vrai, il n'y a rien qui est vrai là-dedans. Puis finalement, mon père, c'est pas mon père, ma femme, c'est pas ma femme, il n'y a rien qui est vrai. Donc vous mentez tous pour de l'argent.
Tu vois, surtout les Arabes, putain, qu'est-ce qu'ils peuvent mentir? Oh là là. Bon, enfin bref. Alors, comment on fait maintenant? La tata, la maman, l'autre tata, ils étaient couturières chez Bréma, quoi. Une avait des costumes pour les hommes, une avait des costumes pour les femmes, une avait des slips et des culottes, je sais pas, j'en sais rien, bon, je sais pas trop. Mais c'est là qu'est arrivée la première télévision en noir et blanc. Le patron dit, oh là, faut des paratonnerres, oh là, ça va faire chier, oh là, dis non. Et là, on est en 60. Je sais même pas si j'étais né. On est avant 70, je crois bien. Tu vois. Mais je te le dis quand même. Et là, comme les premiers films, ils veulent pas marcher, ça y est, je m'énerve. Tu sais, je vais péter un câble. Enfin, péter un câble. Je vais le faire gentiment. Je vais repartir en noosphère, tranquille. Y a des anges bleus, des anges verts, des trucs. Ils me l'ont dit, hein. Comme ça. Moi, j'étais pas du tout méchant. Pas pour un sou. Mon âme n'est pas à vendre. C'est pas compliqué. C'est pas pour vendre. Pas pour acheter, c'est le point. Je te dis, il m'a dit, tu n'es pas très tolérant. Alors moi, je te dis, comment que je vais te le dire? Mon âme n'est pas à vendre. Je suis un pilier. J'avais 11 ans, j'écrivais dans les méandres du temple de la synagogue sacrée. Mais bordel, où c'est que j'ai mis ma schlag? Oui, bon, d'accord. Oui, alors, mon père de nom, si jamais c'était pas mon père de couille, il faudrait peut-être que je demande un test de paternité. Il n'était pas charpentier, mais il était couvreur. Il m'a parlé de toi à la Coluche. Tu sais? Tu comprends? Non, tu comprends pas. Si, tu vas comprendre. Non, tu vas être obligé de comprendre. Que je dis pas de la merde et que vous vendiez pas vos âmes au pognon. C'est le diable sur terre. Le mal, c'est l'argent. L'histoire d'héritage. Bon, le jauni, j'en ai rien à foutre. Vaudou, vaudor. Je vous préviens, dit au pasteur. Il avait vendu son âme direct. Le diable est passé de bonheur. Et mon âme n'est plus à vendre. Alors. Finalement, qu'il aille se faire enculer, lui et sa famille et tout le monde. C'est comme, tu dirais, les princes de Monaco, à la reine d'Angleterre, à les fistons, tu sais. En fait, c'est que des partouzes de fils de pute et c'est que de la merde. Tu vois, vous êtes des menteurs. Et vous, vous croyez que l'argent, c'est bien. Mais plus t'es riche, plus t'es une merde dans l'univers. Tu vois, plus t'es un électron de merde dans la galaxie. Tu gravites sur une planète, tu vois. C'est pour ça qu'il faut apprendre miséricordieux. Si c'est pour faire que de la merde, mais vas-y, casse-toi, crève. On préfère un rat ou une souris ou je sais pas, un hamster qu'un fils de pute qui a vendu son âme. Ou une fille, hein, c'est pareil. Oui, mais tu comprends, ça paye mieux. Un pédalo triple enculade, 300 euros le quart d'heure. Bon. Finalement, j'ai mon trou du cul de reptilienne. Il s'ouvre. C'est bon, ça va. Bon. Attention, faut interdire ça au moins de 40 ans. 41 ans. Il faudra que je mette une certification interdite. Je sais pas, faudra que je mette un truc. Bon. Qu'en est-il pour l'instant, du moment que je vous parle de l'instant, qu'il est 1h36 du 24 février? Il y a quand même un gros problème. Vous êtes vraiment des sous-merdes de l'humanité. Hein. Tiens, vous cherchez et trouvez vos réponses par la télé. Mais non, pas du tout ça.
Une bonne nuit de sommeil t'apprend plus qu'en un an d'école ou un an de télé. C'est pas l'histoire de quand tu rentres dans le sismographe à main d'huile. Bon. Il y a des termes, c'est compliqué, j'ai du mal. Qu'est-ce qu'il y a là? Combien ils sont? Combien vous êtes? Moi je fais crise de Nice, c'est éternel et en plus je vous emmerde. J'aime pas les connards. Je supporte plus les connards. Attends demain que je filme le truc. Oh là là, tu vas rien comprendre. En trois dimensions, en trilogie de quintessence, tu vas rien comprendre. C'est normal.